Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur un nouveau programme. C'est cette vidéo, s'abonner. Cliquez là sur abonner pour activer la cloche de la manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, si vous voulez faire des dons, allez sur cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Vous pouvez faire des dons par voici mignon ou PayPal. Soyez prêts. Car c'est dans le nom que vous parlez ici. On va vous étonner. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse aujourd'hui lorsque vous regardez la vidéo. C'est dans le nom que vous parlez ici là. C'est un prank. C'est en fait, c'est dans un prank qu'on a découvert quelque chose de grave. Mais avant, nous allons vous poser une question. Pourquoi souvent, quand vous êtes avec une fille là, et puis elle vous annonce qu'elle est enceinte là, pourquoi vous réagissez négativement? Pourquoi? Réagissez dans la partie commentaire. Mais quand elle vous dit, viens, on va faire les choses là. Vous êtes les premiers. Mais quand on dit, ah, ils sont enceinte. Qui a dit ça? Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous connaissez Dieu? Ça va nous aider, hein? Ça va tous nous aider, mes frères et sœurs. Dieu lui-même, il a dit de quitter ses parents, de se marier avant d'avoir les rapports sexuels. Mais l'homme lui-même a décidé d'avoir des rapports sexuels. Ok, c'est bien. Les conséquences seront là. Regardez, un jour, je me baladais sur Internet et je suis tombé sur une vidéo. Un prank. Il y a une fille qui a décidé de faire un prank à son mari. Vous pouvez un peu jouer un peu de... C'est-à-dire, faire une mise en situation pour voir comment son mari, son copain, c'est pas même son mari, c'est même pas mari, son copain, pour voir comment son copain allait réagir. Quand elle est arrivée, elle a dit, chérie, s'il te plaît, viens. Elle avait le test de grossesse en main. Elle dit, regarde, je suis enceinte. Il la regarde comme ça. Comment tu as fait? Comment j'ai fait, comment? Est-ce que je fais seul? Non, mais il te demande comment tu as fait. Parce que tu es censé te protéger. Tu dis quoi? Je suis censé me protéger comment? Oui, je me protège, mais souvent, je peux oublier. C'est là qu'il parle comme ça, hein? Dis comment c'est là que tu as oublié? Si tu as oublié, c'est que c'était ta faute. Comment ça, si j'ai oublié, c'est que c'est de ma faute? Le prank a commencé. Ah, mais chérie, comment tu peux me dire ça? Mais comment je vais faire? Oh, tu as de gâcher ma vie. T'as de gâcher ma vie. Oh. Parce que je te dis, je suis enceinte, tu dis que je suis de gâcher ma vie. Mais je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, tu t'étais protégé. Mais what? Mais on s'est protégé. Je me suis protégé. Toi-même, tu t'es protégé. Mais je suis enceinte. Mais c'est que tu l'as fait, tu l'as eu avec un autre. Quoi? Toi, tu veux dire que je te trompe? C'est que tu m'as trompé. Avec qui? Il est là, mais non. En tout cas, il faut trouver une solution à ça. Hey! Tu as quand tu couchais avec la fille là? Tu lui parlais des solutions? Maintenant qu'elle est enceinte là, regarde ta réaction. Ça veut dire que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt du tout. Ça veut dire que vous qui regardez cette vidéo qui n'est même pas mariée là, vous comprenez pourquoi Dieu vous dit de ne vous marier d'abord? C'est parce que quand on se marie là, on est censé être prêt. Et prêt à tout. Parce que dans le mariage là, quand vous arrivez, on vous dit pour le meilleur, pour le pire. Quand quelqu'un est une fiancée là, est-ce que ça c'est le pire? Pourquoi on le dit là, quand une femme vous dit qu'elle est enceinte là, c'est le pire? C'est parce que vous n'avez pas respecté la condition de départ. Vous ne vous êtes pas marié. Et vous trouvez que c'est le pire, c'est le malheur. Oh, elle est enceinte, je suis foutu. Je suis foutu. Tu ne veux pas écouter Dieu. Tu es allé prendre une copine, tu as mis sur ta tête, elle est enceinte, tu cries. Je suis foutu. C'est fini pour moi. C'est fini pour toi. C'est ton problème aujourd'hui. Et tu veux fois aller prier.
Si tu veux là même là, il faut faire ce que tu vas faire. Mais l'enceinte, tu dois assumer. Tu seras obligé de la marier, non? Ce que tu ne voulais pas faire au départ là, tu vas le faire maintenant ici. Tu es l'enceinte, tu vas la marier. Tout le monde va voir son ventre. Le ventre là, ne cache pas ça. Tu ne voulais pas obéir à la parole de Dieu. Même dans l'église, il y a des gens comme ça. La soeur à l'église. Vous savez, c'est qui son copain? Le maître de cœur. Le maître de la chorale. C'est-à-dire celui qui supervise tout là. Qui chante, qui est au devant et tout là. C'est lui, son copain. Elle couche avec lui. L'homme de Dieu n'est pas au courant. Quand l'homme de Dieu le regarde là, il voit qu'il y a un problème. Il lui dit, est-ce que ça va? Tout va bien. Est-ce que ça va? Absolument. Mais de la même vous marchez ensemble, je vois que vous êtes trop collés. Franchement, faites tout pour essayer de corriger ça. On a compris. Oui, patron, on a compris. Mais un jour, vous allez voir, bébé va sortir. Grossesse. Ah, ma soeur, comment tu as fait? Je suis enceinte. De qui? De celui-là. Non, c'est pas moi, homme de Dieu, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Ah! La fille, là, elle a seulement pranké son copain, ou encore son gars, comme vous aimez l'appeler. Elle a compris qu'il n'est pas prêt pour elle. Il n'est pas prêt pour avoir un enfant. Il n'est pas prêt pour la marier tout de suite. C'est ce que tu as compris maintenant. Maintenant, tu comprends ça. Mes frères et sœurs, vous comprenez maintenant pourquoi la parole de Dieu là. C'est important. C'est important d'écouter la parole de Dieu. Vous pouvez comprendre maintenant pourquoi Dieu lui-même, il vous recommande de vous marier d'abord avant d'avoir les rapports sexuels. C'est pour éviter ces choses. Dieu lui-même te parle comme ça. Dans la parole de Dieu, écrit noir sur blanc. Il te dit, mon fils, je te donne de bons conseils. Si tu vas voir une femme là, sois une bonne femme. Marie-la. Avant d'avoir les rapports sexuels, c'est Dieu lui-même qui te parle. Toi, tu dis. Ah. Mais tu me dis de ne pas avoir les rapports sexuels là. Mais les rapports sexuels là, c'est doux aussi. Oh. Comment je fais? C'est doux, non? Tu vas goûter à ce repas là aujourd'hui. Elle est enceinte. Tu vas avaler ça. Ou bien, c'est doux aussi. Elle est enceinte. Tu n'es pas prêt. Oh, on n'est pas marié. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées. Il y a beaucoup de filles qui sont tombées enceintes. Et les couples ont décidé de se marier aussitôt. Pour ne pas que les gens sachent cela. Pour ne pas que les gens découvrent qu'elle est enceinte. Même à l'église, ça se passe aujourd'hui. Pour ne pas que les gens parlent trop. Ah, ma soeur est enceinte. Elle va se marier en même temps. Pour éviter que les gens parlent. Et ils se sont mariés là. Un mois plus tard, un mois de mariage, hein, grossesse, ça fait 3 mois. On dit, mais. Comment vous faites pour vous là? Comment ça se passe? En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Là, mais je dis. Onction, là, il y a plusieurs types d'onction, mais votre onction, là, je ne sais pas de quelle onction il s'agit. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi? Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que le sexe est uniquement réservé aux personnes mariées. Réservé aux personnes mariées. Même leur demande le monde des enfers, là, c'est ce qu'ils disent. Parce que quand vous n'êtes pas marié, vous avez des rapports sexuels que vous avez là-bas. Les démons vont vous torturer pour ça. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans ces choses, répentez-vous aujourd'hui. Demandez pardon à Dieu. Tout le monde est dans ces choses. Hein. Nous tous. Tout le monde. Demandons pardon à Dieu. Dieu lui-même va nous aider à sortir progressivement de ces choses. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai cherché Dieu. Regardez. J'ai cherché Dieu. Et j'ai cherché, comme cet animal-là, regardez-le. Oh, il est beau, hein? Dieu est vraiment magnifique. Regardez. Il cherche le chemin. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, quand j'ai cherché le chemin de Dieu et que j'ai trouvé, Dieu a fait beaucoup de sacrifices. Tel que, vous voulez savoir, les femmes là. Est-ce que je suis marié?
Je ne suis pas marié, je ne suis pas en train de dire que j'ai besoin de femmes. Vous, les filles qui me regardez là, ne m'envoyez pas des messages en dessous pour dire « Oh, je suis là, je ne suis pas marié. » Donc, attention, j'ai abandonné toutes ces choses-là. Ah, j'ai abandonné toutes ces choses, rien que pour Dieu. Parce que ces choses-là, j'ai vu que ça allait, non seulement, même étant dans le monde, j'ai remarqué que ça ne m'aidait pas à avancer. Ça m'enfonçait. Ça ne m'aidait pas. Quand j'ai libéré ces choses, ça m'a fait du bien plus tard. Plus tard, on a fait d'autres sacrifices avant d'arriver jusqu'à ce niveau-là. Ça veut dire que nous avons fait plus de 6 ans de cette histoire de Dieu-là avant de venir devant vous pour vous dire « Jésus est réel. » Sortez de ces choses. Et que le sexe est uniquement réservé pour les personnes mariées. Abonnez-vous à cette vidéo, à tuer la cloche, n'a pas manqué tout simplement. La prochaine vidéo, il va sans doute vous détonner. Et si vous voulez faire des dons, si vous voulez faire des dons, il y a ce bon nom. Pour soutenir le travail de Dieu, ça va vous les décider. Regardez là. Vous avez vu cet avion là? Poulet. Regardez. Wow! Nous avons fait une vidéo aujourd'hui qui parle de ça, de la guerre spirituelle et des âmes. Les âmes que les démons, toutes ces choses utilisent. Regardez cette vidéo, ça vous fera vraiment du bien. À bientôt sur notre programme. Merci. Go, que Dieu vous bénisse.